Yo tout le monde, c'est Tchop, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode de Rome 2 Total War. Alors, j'ai modifié un petit peu la vidéo, enfin la prise de vidéo, ça devrait être en qualité un petit peu plus élevée. Voilà. Vous me direz ce que ça donne de votre côté. Reprenons là où on en était. Ah oui, j'allais embêter un petit coup Rome de Pompée qui m'avait, je pense, plus embêté qu'autre chose. Et aussi, oui, j'avais eu le conseil hein, de la part de Vilcoyote. Voilà, de remonter une petite armée un petit peu plus adaptée à bah, tout simplement la cavalerie à archers, hein, les archers sur les archers montés. De nos ennemis, les Parthes. Il a totalement raison. Alors, on n'a pas de lanciers, hein, on n'a que des piquets, il me semble. Alors, les lanciers, ils sont pas ouf. Ouais, non, on va pas partir là-dessus. Hein. Je pourrais prendre en soi de la cavalerie tarentine, mais pff, non. Quelques gardes royaux Galates. Voilà 6. Et je compléterai le reste par des archers. Alors, le but étant d'avoir énormément de. Ah bah oui, c'est ça. Le but étant d'avoir énormément d'archers. Pour tout simplement contenir un petit peu bah, les archers montés ennemis. Hein. Voilà, on va pas. On va pas se mentir, c'est une armée, enfin ce sont des unités assez embêtantes. Ok, ça on a réussi à le prendre. Et là il va prendre tout seul. Oui, il devrait prendre tout seul. Ici on a monté notre petite flotte qui fera l'affaire. Voilà, ce sont que des alliés tout ça. Et je vais aller reprendre Charax. Hop, ils sont combien ici? Ouais, ils sont 20, c'est bon. Et on va refaire un petit tour des provinces. Ah oui, j'avais oublié. Cosentia. On va le faire tomber. Voilà, petit à petit. On va pas y aller ce tour-là, apparemment. Et lui, on va lui faire brûler quelque chose. Ouais, il a réussi. Hourra, victoire. C'est pas tous les jours. Voilà. Est-ce que ça passe? Pas du tout. Bon, on va lui faire un blocus et on va aussi faire un siège. Voilà, sur terre et sur mer, comme ça on sera bien. Ouais, on va voir des agents par ici, ils sont toujours. Oui. Ils sont toujours en activité, c'est très bien tout ça. Et lui là-bas, pareil, il est toujours en activité, c'est très très bien. Ok, on a deux armées, on a la troisième qui est là. Allez, on voyait. Oula! Oulala! Fait du monde par là. Ah ouais, là on s'était défendu, on avait eu la fière bataille du pont là. Et maintenant, on va y aller agressivement, hein, tout simplement. Oh, arrête. Allez, viens là, toi. Mais. Moi, ils veulent pas. Écoutez, s'ils veulent pas, moi, je veux. Et on va reprendre Thessalonique. Voilà, on occupe. Aucun problème. Ah, un petit peu un petit problème de morale, mais aucun problème. Embarcadère. Non, on va pas prendre celui-là. Hop. Ça, on n'a pas besoin. Ça, on n'a pas besoin non plus.
un petit puits à céréales, du bonheur. Voilà. Et là, ils ont quand même une belle flotte, hein. Apollonia pourrait facilement tomber. Quoique j'ai dû piquer. C'est défendable. En vrai, c'est défendable. Oh, les Marcomans, tiens. Comment ils s'entendent les Marcomans avec. Pas ouf, hein. Ouais. Pas ouf, pas ouf. Bienvenue, mon ami. Hop, bienvenue. Accord commercial, alliance militaire. Je me demande même si. Ah, zut. J'aurais tenté. J'aurais tenté. Voilà. On s'entendait bien avec. On va continuer à bien s'entendre avec. Je pourrais même essayer de faire des alliances militaires avec eux. Bienvenue. Oui. J'y suis. Miné 1. Veuillez accepter qu'on m'emble au diable. Oui, qu'il rit. Venu en su. Ah, on est déjà. Oh, je m'entends bien avec Octave. Mais non. Ah oui, bah en même temps, je tape sur tout le monde. Tu m'étonnes que je m'entende mieux avec lui. Lui aussi, il tape sur tout le monde. Ah, s'il y avait peut-être eux aussi. Ouais. Soyez le bienvenu. J'étais allé en smiter. Vous ah, non, avez toute pas. Mon attente. Lui là, je sais pas ce qu'il veut, mais. Un jour, il va me la mettre dans le dos. Hein. Ouais, je le sens bien qu'un jour, il me la mette dans le dos. Allez. La fierté de Basse-Tête. Non. La fierté de Basse-Tête, merci. Voilà. C'est un homme, c'est un général. Vertueux. C'est un cap. Que dis-je, c'est un cap. C'est une péninsule. Ok. Bon bah comme j'avais prévu. Après les pots à feu. C'est de la petite unité, une fois débarqué, ça va pas faire grand chose. Hein. Donc là avec ces deux unités, je vais foncer sur un de leurs. Bah sur ce général là. J'ai pas trop le choix. Mon but étant de le couler. Le plus rapidement possible. Et je vais planquer les autres unités. Hein. Enfin, je vais planquer mes unités terrestres. Parce que je crois avoir vu une unité artillerie navale. On va regarder. Après, en théorie, ils sont en supériorité numérique aussi. Hein. Pas forcément être une partie de plaisir. Quoique, il y a du brouillard en vrai, on est bien. Hein. Oh, on n'est pas si mal. Ouais, petite unité de piqué moyen. C'est pas fameux, pas fameux. Cavalerie civile, ouais. Allez, on va tout planquer ici. On avisera le moment venu. Personne, j'ai oublié personne. Hop. Voilà. Et à la charge comme vous avez jamais fait les gars. Je suis en train de me dire il n'y avait pas de cavalerie. Non, c'était uniquement de l'unité navale, donc non, il n'y avait pas de cavalerie. Allez. Ok, bon, c'est lui qui va charger. Mille morts à l'attaque, guerrier d'Égypte. Voilà, on continue de charger. Costaud quand même, hein, là, l'exarème. Approchez-vous pour attaquer. Voilà. Je vais quand même avoir subi pas mal de pertes. Hein. Oula, ils sont rapides. Oulala, 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 oulala. Oh, légionnaire. En plus, si je pouvais les faire tomber. Oh oui, lui. Si je peux le faire tomber, je vais pas me gêner. J'ai un peu plus de rapidité normalement avec des. Avec mes. Emiolia. Simplement, ce que je vais faire, c'est que je vais me rapprocher. Voilà, j'ai mis les. Ah non, j'ai pas mis les tirs enflammés. Bah, je mets les tirs enflammés. Tout simplement, le but, c'est de mettre le feu à leur navire.
essayer de jouer en mettant le feu à son navire. J'ai pas trop trop choix. Oula, sérieux là? Ah, je me suis vraiment pris un méchant canon là. Qui m'a fait baisser le moral de tout le monde. C'est quoi ça? C'est... Oh, c'est les pots à feu. Oh, les pots à feu, en vrai, il faut que je fuis ça. Ça fait très mal. En général, c'est un petit fuyard aussi, hein. Regardez. Hein. Quoi? Bah non. Mais j'ai... Quoi? Mais j'ai jamais dit que je voulais aborder, moi. Très bien. Oh! Regardez ça les gars, c'est gratuit. Hop. Voilà, là on bloque comme ça. Hop, là je mets mes frondeurs par là-bas. On fait bouger tout ça. Au cas où je mets une infanterie. Et là ouais, j'ai fait sortir ma cavalerie. Bon là mon unité navale elle est coulée. Hein. Là les Leves. Ils vont pas faire long feu, les légionnaires ils sont 60, ça va. Bon, le but c'est qu'ils arrivent au compte-gouttes, et qu'au compte-gouttes je les élimine. Ah, qu'est-ce que c'est... Ah oui non, je crois que c'était une munition. Une munition mieux. Voilà, lui je le charge, hein, clairement. Voilà, lui il va se prendre la petite charge qu'il mérite. Là ils vont se prendre les petites munitions qu'il mérite. Parle d'une charge toi, regardez, c'est n'importe quoi. Allez les gars là, oh. Je sais pas ce qu'ils foutent. Bon là, merde, là ils sont deux au corps à corps là. Je sais pas ce qu'ils foutent. Ah, je vais mettre la pression. Là ils vont se faire accrocher par la légionnaire, non? Ils sont totalement accrochés par les légionnaires. Hop. On a réussi à les faire fuir. Tous les Ufloy. Hop, on les va. On les met au corps à corps là. Voilà. Ah, légionnaire vétéran. Ah, ça c'est plus. Ouf. Où est-ce que ça a tiré? C'est tiré là. Non mais les gars, vous êtes 130, déconnez pas, wow. Ah, je vais les faire bouger. En vrai, je sais pas du tout si j'ai la... Non, parce que... Ah, parce que là, voilà, ce que je veux faire, en gros, c'est libérer une de mes unités, là, pour l'arrière. Mais pourquoi ils fuient? Mais ils sont full vie. C'est quoi ce bordel? Putain, vous avez 5 morts les gars. Pourquoi ils sont 120 mes frondeurs là? Bon. Merde, ma cavalerie. Ah, j'ai oublié. Excusez-moi les gars, je vous ai oublié. Par contre, une fois que je vous dis vous barrer, faudrait se barrer. Ils en ont rien à foutre, non, c'est pas grave. Mais qu'est-ce qu'ils foutent ici? Mais non, mais... Bah tu m'étonnes qu'ils fuient là, je sais pas ce qu'ils foutent là-bas. Ah ouais, ouais, ils se prennent la tarif là. Yep. Par ailleurs,
Bon, par contre, ils sont la moitié là, ils sont 30, hein. Allez, c'est bon. Ah merde. Voilà, c'est bon là. Voilà. Comment ça, ils se prennent encore des jeux? Allez. C'est là où il va falloir être bon, c'est là où il va falloir tenir. C'est là où c'est compliqué surtout. Hop, la cavalerie, là je veux qu'elle décime au maximum. J'espère qu'il va pas tirer. Je veux que les frondeurs, je veux qu'ils tuent là les unités là. Regarde. Bon, je vais pas pouvoir contourner par là, c'est dommage. C'est pas grave, on va faire le tour. On va les faire reculer. Ils chargent là. Non, ils chargent pas, ils chargent pas. Ça sert à rien de les faire tirer là-bas. Ça sert à rien. Allez hop. Allez, on tire par contre là. Je veux pas savoir. Alors, allez. Ouais, populace, c'est le moment d'y aller, hein. Bon, on va se rapprocher, hein, du coup. Celui-là, on va au corps à corps, là, du coup, il envoie ses légionnaires. Hop. Donc, ça vaut totalement le coup de les rapprocher. Il tire sur ses propres unités, lui. Il n'y a pas de pitié, hein. Allez, on recule maintenant, hop, pareil pour eux. Voilà, la cavalerie, elle a fait une bonne petite charge. Allez. On va pas aller au contact des légionnaires, même s'ils sont que 7. C'est une très mauvaise idée. Est-ce que j'ai les moyens de les tuer là? Ils sont prêts quand même là. Voilà, allez. On envoie la populace. Voilà, on refait une petite charge. Ça passe comment ici? Allez, deux morts, c'est pas fou. Ouais, deux par deux, hein, c'est bien. Tu sais compter deux par deux. C'est ouf, ouais, c'est là où c'est un peu fragile. Hein? Qu'est-ce que... Ok. Ok, je vais décaler pour aider un peu ce côté-là. Qui est vraiment pas bien. Ouais, exactement, c'est ce que je disais. Là, ils sont pas bien. On va les aider. Voilà, il change de focus. Merde. J'ai vraiment besoin d'eux là. J'ai vraiment avoir besoin d'eux. Ça va prendre le temps de dégâts. Quoi? Bah les gars, vous êtes 130, vous abusez là. Non, mais pardon.
Et puis qui est pourri, qui résiste plus que le général? Non, mais c'est une blague. Oh. Allez, videz-moi les munitions, là. Videz-moi toutes vos munitions, je veux pas savoir. Ah mince, par contre, il faut que je le fasse sortir de la mêlée. Hein. N'importe quoi. Allez, casse-toi. Bah ouais, là tu m'étonnes. Tu t'es fait abandonner lâchement. Hop, toi tu recules. Pourquoi tu fuis comme ça? Mais pourquoi tu vas au corps à corps comme ça? Mais pourquoi vous êtes con? Lui il a flippe là dès qu'il voit un truc à de loin. Il y a un ennemi dans son champ de vision, il tire pas dessus, il a peur. Hein, il... Allez, tire maintenant. Voilà, tire. Voilà. Lui tient, mais il n'y a aucune raison qu'il tienne en plus, il se fait fumer. Mais il tient. Putain, qu'ils prennent exemple sur eux, quoi, les autres, là, le dit général. Le dit merdique. Bon, lui, je vais un peu plus le planquer, voilà, qu'ils se prennent pas de tir de l'artillerie là-bas. Voilà, on va faire reculer un peu plus. Il devrait vraiment prendre de l'aggro. Voilà, comme ça il est bien entre deux. Et qu'importe où il aille, il se fera fumer. Oula. Ouais, lui, c'est compliqué là. Ouais, il se prend par là. Il se prend de côté. Ouais. Non, lui, toujours pas. Un peu peut-être. On a perdu du monde là quand même. Un de chaque côté. Non, non, il suit en fait, ce sera bien. Par contre, c'est pas bien là comme ça avec la. En train de me dire. C'est pas la meilleure idée là avec les canons là. Enfin, les canons. Les... L'artillerie à côté. Voilà. Pourquoi il flippe là comme ça? Ah là là, il faut vraiment pas qu'il parte. Lui. Ah purée. Il a peur de cailloux ou quoi? Fais chier. Il faut que je l'emmène un peu plus loin lui. Pas mal de morale, dû à la fatigue. Là ça tire, ça fera de la victime petit à petit. Hop, ça va reculer encore. Voilà, ils ont perdu le point. Bon, on l'a pas non plus, mais... Ah oui, merde, putain, par contre, là, si ma cavalerie se prend des cailloux, ça va pas le faire non plus. Là, les artilleurs, ils voient plus les unités ennemies. Enfin, mes unités à moi. Confiant. Oh, d'où ils sont confiants? Maintenez, là.
70, ouais. Je vais plus leur faire attirer là-dessus. Parce que déjà, un, c'est le général 2, ils sont pas en formation espacée. Ouais. C'est pas encore ça. Hein. Ils ont du mal avec les ordres, en fait. Ouais, je vais plus le faire venir là et reprendre les points. Il n'a pas voulu tirer, c'est embêtant. Et là, je reprends le point. Plus longtemps. Suivez-moi. Frontier. En pas de course. En cadence. On va les séparer. Ah, le but c'est de pourquoi pas les charger à un moment quoi. Mais... Allez, balance tout ce que t'as. Oh, c'est pas grand chose hein, les dégâts. On va lui faire perdre un peu de morale. Ah, il est sur une unité supplémentaire, ça c'est embêtant par contre. Voilà. On reste sur le côté, là il va déjà j'espère se grouper. Ouais, il se groupe, voilà. Et là, du coup il est beaucoup plus sensible à mes tirs. Alors, on va pas tirer plus. J'espère que ça passe. Ça passe pas du tout. J'ai perdu quand même pas mal d'unités de cavalerie là sur cette charge. Mais. Il a perdu aussi beaucoup d'unités légionnaires. Ça va jouer à pas grand chose. Hein. Stop, 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 stop. On recule. On avance en recul, par contre j'ai presque plus de munitions, ça, ça craint. Stop, 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 stop. Arrêtez de faire feu. On a 800, on maintenait au niveau moral. Ils ont très très peu de morale. On va faire le tour. On n'hésite pas à reculer. Hein. Allez, à avancer, voilà, on va le faire tourner en bourrique. On accélère. À vos ordres. On réavance. Voilà, coucou, non, c'était une blague. Non, en fait, c'était pas une blague. On va alterner comme ça. Cavalier de mêlée. Hop, on va reculer. Vous savez quoi? Je vais jouer la montre.
reste là, hein. Il me voit pas ici. Il me voit pas, mais un petit peu quand même, hein. Ouais, je vous la montre. J'ai plus de munitions, hélas. Hein. Unité de frondeur qui a décidé de se barrer la chemin. Ouais, tout simplement, je vais reprendre le point. Enfin, du moins, je vais lui faire perdre le point un petit peu avant la fin de la partie, quoi. Non, pas par là. Faut tout leur dire. Faut leur dire où marcher, où mettre le pied. C'est embêtant. Diamant, on va essayer, on va tenter quelque chose. Voilà, on a un petit peu en supériorité numérique. Hop, ici, on va le charger, on va pas le laisser partir comme ça là. Voilà, il a beau avoir un gros moral. Voilà, il s'en maintenait. Tout va jouer sur la cavalerie. Hein. Ouais, ça meurt bien là. 50 à 14. On est bien là. On fait des grosses pertes en face. Voilà. Et normalement, si je joue bien, je suis obligé de gagner. Dans le sens où j'ai deux unités pour prendre le point et que lui en a qu'une seule. Ce qu'on va faire, c'est arrêter de les faire courir par contre. Enfin, sauf cas extrême quoi, un peu comme ça. Tranquillement. Voilà, là, il se voit obligé de courir. En fait, ça va être que ça. Ça va être suis-moi, je te suis, suis-moi, je te fuis. Hop, salut. Ciao. On va faire ça, hein. On va faire ça très longtemps. Mais bon. Ça protège le peuplier, là. Ah, le beau peuplier. Hop, allez. On fait reculer. Hein. Je sais pas pourquoi il agit comme ça. Genre, il avance, il stop, il avance, il stop, il recule, il avance, il stop, il recule. C'est chelou. Hein.
Mais bon, s'il veut me poursuivre jusqu'au bout du monde, aucun problème. Regardez. Moi, je clique là-bas. J'y vais à la marche, il me poursuit. Enfin, il me poursuit. C'est... Je sais pas ce qu'ils font. Ils font quelque chose, du moins, ils boitent. Ils boitent en formation, formation boiteux. C'est... Et je vais pas dire, la cavalerie, là, elle est plus rapide. Regardez, elle est à la marche. C'est eux qui boitent, en fait, c'est ça. Formation brebis galeuse. C'est... Il y a du chemin en plus là, on va aller loin, on va aller tout là-bas. Donc ils vont boiter sur des centaines de mètres, hein, voire plus. Ils vont boiter sur quelques kilomètres. Boitons ensemble, boitons au rythme. Un joli Olivier, hein. Enfin je suppose. Ah bah oui, ils ont de l'huile. Bah oui, ouais, oui, oui, Olivier, ouais. Bon, par contre, je les vois pas, les Oliviers. Alors, ils sont peut-être passés quelque part. Ah si, peut-être là-bas, ouais. Ah, jusqu'où vas-tu, toi? Ouh, loin, 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 loin. Oula, loin, ouais. Très loin, oula. Tu sais quoi, hop, tu vas aller ici. Toujours plus loin. Oh putain, de loin on aurait dit une grosse pyramide là, mais non, en fait c'est une grosse montagne. Ah ça y est, ils ont arrêté de boiter. Ah non. Ils ont pas arrêté de boiter. Ils aiment bien boiter. C'est fou ça quand même. Hop. Allez, allez là-bas jusqu'à là-bas en boitant là. La 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 la, nous boitons pas et eux derrière boite. C'est flippant quand même, hein, des mecs qui te suivent comme ça sur des centaines de mètres, voire des kilomètres. Et qui boitent, qui s'arrêtent, qui boivent. Oh, moi ça me foutrait la trouille. Hein. N'empêche, ils ont du moral. Hein. Ils ont de moral cette cavalerie civile. Hein. Qu'est-ce qui est drôle, enfin qu'est-ce qu'ils sont drôles aussi avec leur casque. Surtout le général là, ça lui fait une tête mais... Oh. Ah je les voyais plus. Ça fait une tête mais... Comment gaspiller du bronze, hein, c'est... T'en as tellement que t'en... Ok. Et surtout ça doit être lourd sur la tête, hein. T'as déjà le poids d'un casque normal, c'est pas... Bah, c'est pas léger. Et en plus tu rajoutes du poids disant... Non mais t'inquiète, j'ai des bonnes cervicales, je me les entraîne tous les jours, tous les matins là. Je fais des exercices là comme ça, crac crac. Et tu fais waouh, ouais, t'as que ça à faire de tes journées, quoi. Enfin bon, quand même. On parle bien d'entraînement de musculation de cervicale, c'est pour porter un casque plus lourd. En gros c'est avec combien de kilos de bronze tu te balades sur la tête? Moi, 1,4 kg. Moi, 1,442 kg. Wouah. Voilà, et puis on va bientôt renvoyer les frondeurs. Hein. Je pense qu'on est pas mal loin, là, voilà, vers les 3 minutes. Je pense que même en courant, ils y arriveront pas. Enfin, même en boitant plus vite. En boitant plus vite, putain. Allez, je vais les mettre à la marche. Voilà, faites-vous plaisir, les gars. La la la. Ah, ils boitent pas, eux. Hein? Ils sont confiants, hein? Non? Ils sont pas confiants? Confiants. Et ouais. Et puis là, le petit coup de morale qui va faire du bien. Et voilà. Et ils ont perdu le point, ils sont en mode ah zut, on est trop loin pour y retourner. Oh, tu sais quoi? Allez, reviens là avec la cavalerie.
Mais ils sont barrés où les... Barre pompée, hein? T'as bout de souffle? Eh, c'est une victoire. Bon, un peu triché, hein. En même temps, les frondeurs, ils ont juste à ramasser des cailloux par terre, hein, pour faire des dégâts, donc bon. On va dire que c'est l'utilisation de munitions supplémentaires qu'on a trouvé entre des hautes herbes, quoi. Voilà, Apollonia, on l'aura bien défendu. On aura coulé quand même une bonne partie de sa flotte, hein, ça c'est fou. Par contre, là, sur ma taxe, c'est perdu. Hein. Clairement, si on m'attaque, c'est perdu. Ah, Thessalonique, qui veut se faire attaquer? Non, oui, peut-être. Bon, bah, la menace ne viendra pas de Pompée. Dans la partie. Je sais pas ce qu'il pourrait attaquer, partie. Palmyre, peut-être? Bon, rien. Non, ils veulent pas attaquer. Je les comprends en même temps. C'est pas facile, hein. Enfin, ils sont sur un moment fort en vrai avec leur archer monté. Hein. Mmh, allez. Ça, une belle défense, hein. Une très très belle défense en vrai. Allez. Bon, sur ce, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Je vous remercie à tous d'avoir suivi. J'espère que cet épisode vous aura plu. Je vous propose de me retrouver demain pour le prochain épisode. C'était Thiom. Ciao.